avoir une carte de paiement qui te permet d'avoir jusqu'à 2% de cashback avec le système de WireX qui est le système de CryptoBack. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui se nomme WireX. D'ailleurs la carte est juste ici, il y a d'ailleurs un super packaging. Et en fait sa particularité c'est que parmi toutes les dépenses que tu vas effectuer avec ta carte WireX, eh bien tu vas récupérer en fait jusqu'à 2% de cashback, donc ici en CryptoBack. J'ai trouvé le concept super intéressant. Concernant leur carte de paiement, il s'agit donc d'une carte forcément de débit Mastercard qui est en PVC. Alors c'est vrai qu'elle est d'ailleurs super jolie. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que elle est totalement gratuite. Tu peux la commander, d'ailleurs en la commandant et tout tu peux avoir des petits bonus et tout, que ce soit concernant l'inscription tout ça. N'hésite vraiment pas aussi à te renseigner puisqu'en fait tu vas retrouver un grand nombre de fonctionnalités sur l'application. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer et bien sur cette carte de paiement, sur aussi ce système de cashback qui peut aller jusqu'à 2% et bien tout simplement en CryptoBack. On va vraiment rester concentré sur ça, sur l'application en elle-même, avec aussi forcément les notifications qui sont en temps réel. Donc aussi retrouver forcément plusieurs devises comme l'euro, le pound, le dollar, bien entendu aussi WireX a une licence depuis 2018, ce qui est vraiment aussi très important. Ce sont des choses auxquelles il faut regarder. J'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. L'inscription est simple et rapide, tu peux le faire tranquillement depuis chez toi. Une application mobile forcément qui est gratuite et qui se nomme WireX et qui est disponible sous iOS et sous Android. D'ailleurs j'ai testé que ce soit sur ces deux plateformes là et ça marche très bien. Alors il faut le dire car je trouve aussi c'est un très bon point, mais tu vas voir donc la disponibilité, en tout cas l'application mobile, mais tu vas voir aussi la plateforme web. Et je trouve que la plateforme web aussi est vraiment fonctionnelle, elle est intuitive. C'est quelque chose auquel j'aime bien regarder parce que j'aime bien, voilà, l'application mobile c'est top, mais j'aime bien aussi avoir accès depuis mon ordinateur. Ici c'est le cas et tous les exchanges ne font pas ça, c'est un bon point en tout cas je trouve. Bien entendu tu vas aussi recevoir les notifications en temps réel, que ce soit lors d'un retrait ou lors d'un achat. Quand tu vas effectuer un achat, c'est ce qu'on verra durant la phase test, eh bien tu vas recevoir deux notifications, une notification concernant le paiement chez le marchand et une autre notification concernant ta récompense, le cashback qui peut aller jusqu'à 2% en CryptoBack. Il y a plus de 30 devises qui sont disponibles. Une carte de paiement Mastercard en PVC, comme je te l'ai dit, qui est gratuite. Concernant les frais, on ne va pas en retrouver au distributeur qui va jusqu'à 400 euros. Et tu auras donc jusqu'à 2% de cashback, comme je te dis, en CryptoBack. C'est-à-dire qu'à chaque achat que tu vas effectuer avec ta carte, en fait, tu vas donc recevoir ta récompense en WXT, qui est le token de WireX. Alors bien entendu tu peux, si tu veux, à tout moment l'échanger, le vendre dans une autre devise par exemple. Ce qu'il faut savoir c'est que WireX comptabilise, et ça ce sont des choses aussi auxquelles il faut regarder, plus de 3 milliards de dollars de transactions, ce qui montre aussi que c'est une plateforme qui est déjà aussi beaucoup utilisée en termes de transactions, où il y a beaucoup d'utilisateurs, on a plus de 3 millions d'utilisateurs. Donc moi vraiment en tout cas c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Jusqu'à 10 000 euros de dépenses par jour. Le service support disponible 24/24, 7/7, avec le live chat aussi, par contre c'est en anglais. Il n'y a pas de frais de changement de devise, donc ça aussi c'est une bonne chose, quelque chose à noter. En termes de sécurité, on va retrouver bien entendu le 2FA, qui est le Google Authenticator. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise, donc c'est pour se connecter à la plateforme. Il va te demander à chaque fois en fait une petite vérification, une double authentification. Donc ça c'est vraiment bien en termes de sécurité, c'est limite primordial honnêtement aujourd'hui. Et aussi quelque chose que j'aime bien, c'est que tu peux masquer des comptes. Voilà, c'est une petite option qu'ils ont rajouté. C'est pas disponible partout sur toutes les plateformes et j'ai trouvé ça assez cool. D'ailleurs il y a quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, après vraiment plusieurs semaines de test, c'est vraiment la possibilité de linker ta carte de paiement avec une devise en question. C'est à dire que en fait je vais avoir plusieurs devises, je peux avoir du livre sterling, je peux avoir de l'euro, du dollar, et en fait ma carte de paiement, depuis l'application je vais dire voilà, je veux qu'elle soit liée à mon compte euro par exemple, à mon compte sterling. Et si jamais, imaginons, mon compte sterling est vide, en fait il va se rabattre, si je souhaite, en fait je choisis un ordre à mon compte par exemple dollar ou bien mon compte euro. On se retrouve donc tout de suite pour la phase test, que ce soit un retrait à un distributeur quelconque, peu importe la banque, ça fonctionnera, tu verras. Et aussi à côté, un petit paiement chez un commerçant pour voir la notification instantanée et aussi ce système de cashback qui peut aller jusqu'à 2% comme je te l'ai dit
en CryptoBack. C'est parti. Parti pour le retrait avec la carte WireX. Donc tout simplement, hop, la mettre dedans. Voilà, donc c'est parti. Je valide. Je choisis le montant. Donc ici, on va faire 20 euros. Je demande pas, hop, de ticket. Et puis c'est bon. Donc forcément, hop, je reçois, tac, la petite carte WireX. Et puis les 20 euros, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super bien. Je peux vraiment choisir. Bah ici, par exemple, j'ai repris depuis mon compte euro, mais je peux bien entendu le faire depuis le compte pounds. Donc là, au marché, j'ai payé avec la carte, donc WireX. Hop. Ouais. C'est bon. Et voici. Paiement sans contact. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Je viens d'effectuer le paiement sans contact. Alors j'ai reçu deux notifications. C'est très important puisque une notification concernant la transaction en elle-même, l'achat ici, donc c'était au marché. Et la deuxième transaction, enfin en tout cas la deuxième information, la notification, il s'agit en fait tout simplement du cashback qui peut aller jusqu'à 2% en CryptoBack. Donc en fait c'est ma récompense. Eh bien je l'ai eu aussi de manière instantanée. Et ça aussi c'est une bonne chose à noter depuis l'app. Voilà, en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme là, WireX, qui est un exchange britannique qui, comme je te dis aussi, devient de plus en plus connu. J'ai commencé à regarder, à m'y intéresser et forcément à tester, et aujourd'hui j'adhère plutôt pas mal, vraiment j'aime beaucoup. J'ai laissé un petit peu d'argent et tout comme ça, et puis je pense que sur le long terme c'est vraiment une plateforme que je vais utiliser. Donc n'hésitez pas aussi à me tenir au courant si jamais vous avez des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message tout simplement sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais il y a aussi un système de bonus, que ce soit lors de l'inscription de ton compte WireX ou que ce soit lorsque tu vas utiliser pour la première fois, par exemple, ta carte de paiement, tout ça. Tu auras plein de petits bonus de bienvenue. Donc, ça fait toujours plaisir. Je t'en ai pas parlé. C'est pas la chose, en tout cas, la plus importante, la chose auquel je vais regarder. Mais en même temps, forcément, moi, c'est une application aujourd'hui que j'utilise fréquemment. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petit système. Quand on crée son compte et tout, d'avoir des petits offres de bienvenue. Boum, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.